se retrouve, il est 10h30, je voulais vous montrer quand même la petite vue, mais en fait il y a eu énormément de condensation parce que on laisse toujours ce petit rideau fermé, donc voilà le résultat. Il y a plein de gouttes, mais non, non, il ne pleut pas, il fait très beau dehors, c'est très dégagé. Donc il est temps de se mettre en route, hein, parce que c'est notre avant-dernier jour. On va directement à Ueno, au parc de Ueno. Oui. Donc direction Ueno, c'est parti. 11h15, la journée peut commencer. Du coup, c'est juste pour vous dire, quand ça, si vous prenez la ligne JR et la Yamanote, vous arrivez à la gare, ici, du coup, vous prenez parc exit, la sortie parc, et vous tombez, pouf, juste ici, donc vraiment au pied du parc. Bon, juste en face, il y a le zoo, alors vous en doutez, nous n'irons pas. Et je vais vous parler très rapidement du parc, parce que, alors, le séjour, je l'ai très bien organisé, enfin, j'estime que je l'ai très bien organisé pour nous, parce que ça nous convient, j'ai fait plein de notes et tout. Par contre, les 5 derniers jours sur Tokyo, je n'ai rien noté, parce que j'ai pas eu le temps avant de partir en vacances. Je m'étais dit, c'est bon, on a des heures et des heures et des heures de Shinkansen, du coup le train grande vitesse au Japon, mais vraiment des heures, dans une journée où on a passé 12 heures dedans, j'ai quand même pas pris le temps. Je sais pas ce que j'ai fait dans le Shinkansen, j'ai pas fait ça. Donc, j'ai vite screen là des sites pour vous dire quelques notes quand même sur le parc de Ueno. Il a été ouvert en 1873, il a une superficie de 54 hectares. On peut retrouver à l'intérieur beaucoup de choses à faire, donc il y a un zoo, musée, temple, étang. On estime qu'il y a plus de 10 millions de promeneurs chaque année qui rentrent dans le parc de Ueno pour s'y promener. Et voilà, et nous on va profiter comme ça. Il est très très prisé pendant les hanami parce que il y a 1200 arbres, donc 1200 cerisiers. Donc apparemment c'est magnifique. Ben, on l'avait fait au fait. Il dit apparemment c'est magnifique. On était là pour le hanami. Au fait. Oui, on est. Ben, oui, on était venu. Il y a une très belle allée pendant le hanami où de part et d'autre il y a des cerisiers en fleurs. Il y en a 1200 et c'est vrai que c'est de toute beauté. Donc, vous voyez par rapport à la gare, ici un musée, le zoo, et c'est cette allée qu'on vous parle pendant les sakura qui est absolument sublime. Une énorme allée là qui tu continues longtemps et dans l'ombre, bah, du coup, bah, y a les cerisiers en fleurs de part et d'autre. Très très beau, ça fait des très très belles images. On va commencer par aller voir le Toshogu Shrine, donc un temple. Il a été construit en 1651 et il est dédié à la mémoire de, alors désolé, mais Tokugawa Ieyasu. Non. Non. Tokugawa Ieyasu. D'accord. Le fondateur de la dynastie Tokugawa. Ouais. Cette allée est magnifique. Regardez, en fait, je savais même pas qu'il y avait autant de musées. Mais bon, en dehors du zoo, vous avez le musée national de Tokyo, le musée de la nature et des sciences, le musée d'art, le royal. Bon, ça, c'est la gare. Et nous, on va aller par là. Donc, vous avez beaucoup de choses, hein, vous voyez. Et c'est ultra agréable, regardez. Ici, Mathieu s'était acheté des petites pâtisseries, mais près du zoo, en fait, je pense. Avec des petits oursons fourrés à la pâte de haricots rouges.
Ils étaient mignons, mais c'était en petite forme de panda. Ouais, pourquoi je dis ourson? Non, c'était des pandas. Là d'abord, là d'abord. Je peux y aller? Ouais. Bon, là il y a l'étang, comme vous pouvez le voir, on ne verra pas beaucoup d'eau. Et quand on était venus, nous, bah, aussi bien en mars qu'en décembre 2016, de part et d'autre, il y avait plein de stands bah, comme celui-ci, tout le long de part et d'autre, pour manger. Et moi je me souviens, on s'était posé sur une des tables là, il n'y a plus rien. Une des tables, on était en t-shirt hein, en décembre et on voyait tout le lac. Donc là c'est plus très. C'était pas très joli là du coup. Non. C'est pas très joli, il n'y a plus grand. C'est dommage. Peut-être que c'est à cette période hein, où ils font rien, mais c'est dommage. C'était ultra agréable. Et non, ça peut pas être à cette période qu'il y a rien. On était venu en décembre. Et on avait mangé vraiment un t-shirt au bord de l'étang. Ah bah si, là. Mais il s'est fermé. C'est dommage parce que c'est plus très joli comme ça. Et un autre temple. Je n'ai pas le nom, je n'ai pas de date à vous donner. Regardez, le parc est vraiment au centre des buildings, vraiment au centre. Et vous n'entendez rien de la circulation. Enfin, vous n'avez pas l'impression d'être dans Tokyo en fait. C'est ultra paisible. Il y a une cérémonie là qui se passait dans le temple. Je pense que quand on arrive dans l'allée, vous entendez un peu, mais on n'avait pas le droit de filmer. Allez, maintenant, on grimpe au temple. Hello. Alors on a quitté le parc et on se promène un peu dans le quartier de Ueno. C'est un quartier où on vient pas souvent en fait. Jamais, à part bah, pour le parc. Oui, à part pour le parc, c'est vrai, on ne se promène jamais ici. Mais ça a l'air aussi très très animé tout ça. Comme partout en fait. Oui. Clairement. C'est rare les quartiers pas animés. Hein. On va pas au Japon tout le temps, j'ai le droit de faire mes book-off. Je les ai pas justement, fait les si trois on y va pas voyages. Tout le temps, y a pas mieux à faire. Parce que tu voulais pas. On vient déjà de faire deux book-off et maintenant on va marcher une demi-heure en direction d'Asakusa, comme ça vous le savez, on va quand même aller au fameux temple pour vous le montrer, parce que bon, on le fait à chaque voyage. Mais du coup on y va à pied, on en a à peu près pour 40 minutes. Comme ça, il passe encore devant un book-off. Voilà. Mais bon, au moins il fait beau. On se promène, on profite au maximum pour nos derniers moments ici. En fait, je recherche quelque chose de bien précis, voilà.
Et à manger, à boire, et du shopping, et encore à manger, et encore du shopping. On est arrivé à Asakusa. Franchement, de Ueno à Asakusa, quoi, vous mettez une demi-heure de marche, et encore on a traîné, on est rentré dans les boutiques, donc bah, allez, peut-être une demi-heure. Je confonds toujours, est-ce que c'est la Tokyo Skytree ou c'est la Tokyo Tower? C'est la Skytree, c'est la Skytree. Le temple, et c'est le temple de Sensoji. Il me semble que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait à Meiji Jingu. Oui, je crois que j'ai dit ça. Alors non, mais pas du tout en fait, pas du tout, du tout, du tout. On va au Sensoji qui se trouve par là-bas. Mais d'abord, on va manger. Il est 14h, je crois. On commence vraiment à avoir faim. Et on va manger une okonomiyaki que Mathieu veut absolument. Du coup, on va vous montrer ce que c'est. C'est parti. On va retourner dans un resto qu'on a fait en... En 2016 Ouais, c'était le premier voyage, hein. Donc en mars 2016. Enfin, s'il existe encore. Et voilà, c'est ce resto, donc c'est bien celui-ci. Je vous montre déjà d'extérieur parce qu'il est joli. Et on y va. Je vais déjà vous en parler maintenant en attendant que ça arrive. Du coup, en fait, l'okonomiyaki, grossièrement et très vulgairement, on peut trouver sur le site que c'est une sorte de crêpe ou galette à la japonaise. Mais en fait, c'est en fonction de ce que vous mettez dedans. Là-bas, c'est du chou et de l'œuf. Donc là, on en a pris une. Au bœuf et une au porc. Donc vous avez ça dans un récipient, on va tout vous montrer, mais comme ça je vous explique déjà. Donc dans un récipient, par exemple celle au porc, on aura œuf, chou, œuf, porc, on mélange tout et ensuite on fait chauffer sur la plaque. Une fois que c'est cuit, vous avez tout pour mettre, donc les sauces, la mayonnaise, pour faire toute la petite tambouille. Et je vous dis, j'ai déjà les prix. Ben non, mais comme ça c'est fait. Donc celle au porc, elle est à 990, ce qui fait 6,60€. Et ça, le bœuf est à 1250 yens, c'est-à-dire 8,37€. Voilà, comme ça les explications sont bonnes. Et nous on va manger rapidement. Bon, vous inquiétez pas, il y a les explications, au cas où. Ça se présente comme ça. Et du coup, ben, donc œuf, chou, là c'est au porc, et vous triez tout. Bon, à une main ça va être génial. Attendez, attendez, attendez. Vas-y, touille. Potouille avec délicatesse et fermeté. Parce que oui, ça me choue, je me sens trop fort, mais pas par terre. Je me dis doucement, doucement, doucement. C'est tout un an. Il va en mettre par terre, il va encore faire 11. Non mais attends, abuse pas, va pas nous mettre tout le pot, toi. Non mais faut en mettre. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut retourner. Déjà en 2016, j'étais en galère. Je sais pas comment prendre ça. Attends, c'est quoi? Je suis déjà enlevé ça. C'est dangereux ça. Punaise. Ça va bien? Mais j'ai fait un coup de temps. Ça va, non? Ouais, ça va. Hé, ça, c'est plus ou moins. Laquelle est la plus jolie? C'est marrant la tienne, on dirait qu'elle est beaucoup plus cuite, or que c'est bon, ouais. Et après niveau sauce, vous mettez cette sauce-ci. Je suis désolée, j'ai pas les noms. Vous badigeonnez partout sur le konomiyaki. Alors la mayonnaise, vous avez déjà vu, vous faites des rayures partout, 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 et après dans l'autre sens. Vas-y, tu sais comment faire, hein? Mais oui. Vas-y.
Ne vous inquiétez pas, c'est pas trop. Elle est très légère en dessous. Et dans l'autre sens, voilà. Bien. Je suis dit, c'est de la maillot. T'as mis là ? Sur la poche. Et ensuite, si vous aimez, vous mettez aussi de l'algue. Bien, elle est belle, hein ? Bon appétit. Super, merci. Ensuite, avec la spatule, vous coupez des morceaux que vous mettez ensuite dans votre petite assiette. Et puis, bon appétit. Je suis dit, c'est quand même bien aussi. Vous pouvez peut-être vous mettre un quart dans votre assiette. Non mais... Ah, je veux bien... Non mais... Ah ouais, vas-y. Ok. Merci. Celle-là, c'est au quoi ? Au porc ? Au porc. Voilà. Comme ça, on va faire un concours de économie. Il traverse le pot, hein. Ouais. J'aimerais bien, mais... Après... J'en mets pas un peu beaucoup. Non, non. Un peu trop blanche. Et après, tu voulais de la sauce. Non, non, pas de soucis, déjà. Comme ça ? Ouais, très bien. Voilà. Pour celle qui est la plus belle, c'est la mienne. On est sorti, donc on en a eu pour 2240, ce qui fait à peu près 15 euros. Donc pour nous deux, très raisonnable parce qu'on n'en peut plus. Après, moi, l'okonomiyaki, c'est pas du tout ce que je préfère au Japon. À chaque fois, on va en manger une ou deux fois parce que Mathieu, lui, il aime vraiment bien. Moi non, je peux le manger hein, mais je suis pas... Après, enfin, il serait pas là, j'irais pas en manger en fait. C'est pas ce que je préfère, mais je trouve que c'est toujours sympathique à manger. Ouais. Voilà. Bref, du coup là je vais tout de suite vous parler du temple Sensoji qu'on va aller voir, que vous connaissez, ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'en parle maintenant parce que je pense qu'il va y avoir énormément de touristes et ben, j'ai pas envie de déranger à parler et puis voilà. Je dis ça mais là il y a la circulation derrière, je sais pas si on m'entendra mieux. Bon. Qu'est-ce qu'on peut vous dire dessus ? Déjà, c'est le plus vieux temple bouddhiste de Tokyo. Tous les ans, il y a 30 millions de personnes qui passent sous le torii. Donc encore, le torii, c'est l'arche rouge, si vous voulez. Ça, c'est le torii. C'est ce qui marque l'entrée d'un sanctuaire. Voilà, ben bah oui, mais bon. C'est un torii. Alors, ce temple est dédié à la déesse Bodhisattva Kannon. Vous allez voir que pour arriver au sanctuaire, il y a une allée de 230-250 mètres à passer où il y a 90 boutiques réparties de part et d'autre. Et depuis le 17e-18e siècle, en fait, les commerçants vendent ce qu'ils appellent leur petite breloque en fait, à prix très fort, forcément. Il y a plein de touristes, c'est rempli de touristes, de japonais, donc on vend. Moi, j'aime pas trop le Sensoji. On vend cher. en tant que... À cause de l'atmosphère ou même le temple en lui-même ? C'est pas mon temple préféré du tout. Ouais, il est sympa le temple quand même. De toute façon, vous allez le voir. C'est une étape à faire, hein, mais moi je suis pas fan. Les boutiques, elles ont été reconstruites pour prendre leur apparence actuelle à l'ouverture le 26 décembre 1885. C'est énorme quand même, t'imagines ? Ces boutiques-là, là, elles sont là. Wow. Elles sont centenaires. Ouais, ouais. Avant 1885, en fait, ces boutiques appartenaient au gouvernement métropolitain de Tokyo. Et elles ont été vendues au Sensoji. Ah mais non mais c'est récent, elles ont été vendues en 2017 au Sensoji. Donc ça veut dire qu'en conséquence, le loyer de chacune des boutiques a augmenté 16 fois du coup en janvier 2018. Donc entre janvier 2017 et janvier 2018, le loyer il est passé de 142 euros par mois à 2280. Après 142 euros par mois, ils ont un sacré bénéfice hein, les vendeurs. Oui mais attends, l'augmentation elle a fait mal quand même. Ça a dû les énerver un peu. Oh là là. Bref, allez, on y va tout de suite. Bon, nous y sommes. J'ai bien fait de vous parler là-bas. Regardez. On était plus tranquille. Et là, du coup, toute l'avenue marchande qu'on va traverser. Thank you.
Ici, on avait mangé un petit poisson là, grillé sur des petites flammes. Très très bon. Oui, il en voulait pas et... J'ai mangé à moitié. Et voici le Sensoji. Donc là on est ressorti mais sur le côté. Moi non. Vous donnez ouais. Sur des petits monuments, ils sont très jolis. La pagode. Là regardez. Un petit pont en pierre, je pense que les gens regardent les poissons. Poissons ou tortues, je ne sais pas. On va aller voir. Oh, c'est joli. Alors vous dites quoi? Poisson, tortue? Oh. Je vais aller de l'autre côté parce que là il y a le reflet du soleil. Ah oh ben. Il y en a une. Parce que là c'est le dos. Regardez sur la même image le contraste. Une tradition modernité. Bref. Là, dans l'enceinte du temple, il y avait un célèbre vendeur de melon pan. Enfin, apparemment, tout le monde disait qu'ils étaient délicieux. Je me demandais si c'était encore là. Je pense que oui, parce que je vois une file. Donc, soit il y a toujours du monde, ou c'est ce que mangent les gens. Donc, il est toujours là. Il est toujours le melon pan. Moi je suis pas fan, j'en raffole pas, il y en a qui ne durent que par ça. Vous savez, vous en avez déjà vu je pense en image, c'est comme, je vais essayer de vous montrer, oh là les pigeons, il y a comme une grosse boule, un peu de pain sucré avec des entailles, il y a une image, ah bah voilà, ça, tac tac tac. Donc ici, apparemment, voilà. Bah vous savez quoi, je vais aller en prendre un. Un classique tout simple là, comme ceci, c'est 280 yens sur 1,87€. C'est comme ceci. Et on va voir. J'appuie toujours. Autant pas? Pas autant? En tout cas, il est tiède. Attendez. Bon. C'est de la pâte et du sucre, quoi. Là, je comprends pas pourquoi. Après, chacun ses goûts. Comment ils dénigrent une société incroyable. Non. Chacun ses goûts. C'est bon, on peut pas dire que c'est mauvais. Mais du coup, je vois pas trop l'engouement en fait autour de ça. C'est. Tu veux du sucre, quoi. Oui, tu veux regoûter. Allez. Ouais, voilà.
Mais toi qui à un moment on mangeait pas mal. Ils sont quand même bien meilleurs que dans les combini. Parce qu'ils en rendent beaucoup. Arrête. Sérieux? Oui. Après je suis pas un expert en même temps, non. Eh hey. Choubi, Choubi, oui. Choubi. Oh, les pigeons, pigeons. Arrête, arrête, Choubi. Allez-y pigeon. Je vais pas rigoler longtemps. Ça va 30 secondes là, avec les pigeons, mais après je vais vraiment m'énerver. C'est le gang. Ils sont en train de faire une formation en cercle. Non, parce partager. Que j'ai peur des pigeons. C'est pas parce que je veux pas partager. J'ai peur des pigeons. Bon, donc, et tu veux pas partager non plus. Oui, parce que c'est pas terrible. Mais tu vois, si j'en mets là, ils vont tous être là. Oui. Oh, le Shiba. T'en reveux? Non, merci. Moi, je vais le garder pour ce soir. Ce soir, vous savez ce que je mange en fait. Voilà. Voilà. Parce qu'on est en rate de hyène. Super. Oui. Un peu en plus. Niveau liquide, ouais. Je voudrais les rechanger. Tu sais que là, on a dépassé le budget qu'on avait de la journée. Je sais. Heureusement, demain, c'est le dernier jour. Donc voilà. Voilà, du coup, bah, je vais garder ça pour ce soir pour manger. Comme des pauvres. Non, mais j'exagère quand je dis ça. Mais j'imagine. Non, mais c'est vrai, niveau liquidité, on n'a plus rien. Ouais, non. On n'a plus rien. Sur le sol de la chambre à manger les miettes de ton melon pan. Bon, bah, ça va quand même, il y a des limites. Nous, on va reprendre le métro, mais avant ça, regardez. La Skytree. Et alors, là, où vous voyez du doré, c'est le siège social de la bière Histoire. Pousse-toi, là. Le siège de la bière Asahi. Et alors, ce qui est doré, c'est censé représenter le cœur de la flamme de la bière, c'est ça? Le cœur de la flamme de la bière? La flamme du cœur de la bière. Bah... J'étais presque. Mais en fait, tout le monde appelle ça bah, la crotte dorée. Bah, c'est vrai. Enfin, bref, voilà. C'était juste comme ça. Là, on va pas aller s'y promener parce que nous, on retourne dans le métro, comme je vous ai dit, mais tout le long, là. Donc le long du fleuve, vous pouvez vous promener. Et c'est très agréable quand il y a du soleil. Qu'est-ce qu'il y a? Super pété, j'ai pas filmé en fait, j'avais oublié. Est-ce que la balade est agréable? Le long du soleil, le long du fleuve. Non, quoi? Hein, quoi? Est-ce que la balade est agréable le long du fleuve quand il fait beau? Oui, oui. Et qu'il est pénible. Ah, et autour du temple, vous avez c'est beaucoup de personnes qui tirent les gens en fait. Parce que je dois vraiment vous dire où on est. Bref, on a repris le train. Et on s'est arrêté cette fois à Nishinipori. Non, on va vous faire toutes les stations de Tokyo. Hein. À Nishinipori pour aller... un book off. Mais sur le chemin... sur le chemin, regardez. Alors on va voir ce que ça donne. J'espère qu'on verra bien en GoPro, qu'il ne fait pas déjà trop nuit. Et là, pour vous donner une idée, on est le 13 novembre et il est 16h36. Et... c'est grand. C'est très grand ce temple. Il y a plein de courriers. On va aller monter pour voir. C'est un petit temple de quartier. Hein. Enfin, à moins qu'il soit très touristique, on n'est pas au courant. Ce qui est possible, mais... vous voyez, promenez-vous souvent, vous tomberez sur plein de petits temples comme ça. Vraiment, mais vraiment, vraiment, ça nous est arrivé à chaque fois en fait. À chaque fois. Et regardez, c'est pas loin de la gare, hein. Le train est juste là. C'est là où on était juste avant au niveau de la Tokyo Skytree. Et voilà, c'est un peu délicat de filmer, mais vous voyez, c'est leurs cimetières qui sont comme ça. Je vous avoue, on en avait déjà filmé en 2016 parce qu'on on était passé dans un qui était immense et en fait il était rempli de cerisiers en fleurs, donc c'était très très beau et en fait on s'est permis de filmer, prendre des photos parce que tous les Japonais le faisaient, donc on s'est dit bon, c'est que c'est peut-être pas irrespectueux. Je vais pas non plus rentrer pour le filmer, mais oh, sympa cette petite fleur là. Regardez-moi ça, les couleurs avec le coucher du soleil. Écoutez, on est vraiment dans un quartier résidentiel. Je ne vous ai pas filmé parce qu'on est passé dans une petite ruelle. Il y avait des habitants et des enfants. Donc, on ne veut pas passer pour des gens bizarres quand même à filmer.
Il y a des limites. Mais là, regardez, c'est déjà des rues beaucoup plus étroites. Vous voyez, on est passé dans plein de petites rues comme ça, où il n'y a même pas de voiture qui passait. Hein. Regardez. Vraiment, vraiment. Un quartier de résidence, quoi. Faut vraiment passer là ? Ouais. T'as pas notre chemin ? Faut vraiment aller là ? Non, on peut aller prendre une rue plus large. Ou alors vous voulez comme ça ? On va dans la ruelle ? Allez, on passe dans la ruelle. Du coup, des fois, allez-y. Hein. Perdez-vous, marchez et... Mais c'est sympa. Enfin, après... Après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ça se trouve, vous aimez pas du tout ça. Et... Mais c'est chouette. Vous avez de très belles surprises, des fois. Regardez, pendant qu'on est sur le chemin. Donc, moi, j'utilise l'application Navitime. Utilisez-la, elle est géniale. Vous mettez, vous voyez, d'où vous partez, d'où vous allez. Donc, moi, là, juste mis les stations en Ishinipuri, Otsuka. Comme ça, vous savez que maintenant, on va à Otsuka. Et regardez ce que je vous disais, les réductions que vous avez. En fait, si vous achetez un ticket, le ticket, là, vous voyez, vous marquez JPY 170. Donc, un ticket... Pour un ticket de train pour faire Nishinipuri Otsuka, ça serait 170 yens. Or, à côté, vous voyez, quand vous payez avec la carte, donc une Suicaine, Passmo, peu importe, donc IC, c'est 167. Donc ça fait gagner 3 centimes. Bon, attendez, 3 centimes. Je vais regarder, c'est quoi avec le taux du jour. Bon, ça fait 2 centimes d'euros. Donc c'est pas grand chose, mais c'est juste pour vous dire, il n'y a que des avantages à avoir ces cartes en fait. Oui, mais 2 voilà. Centimes plus 2 oui, centimes. Oui, 2 centimes et 2 centimes et 2 centimes et 2 centimes et 2 centimes. À la fin, vous avez une choupa choups. Allez, c'est reparti. Et maintenant, il fait nuit noire. Du coup, c'est un temps à rentrer, à faire un bain, à manger et à dormir. Hein? Oui, mais on a encore du book off à faire. Un. Deux. C'est lequel le dernier? Le dernier, c'est Takanobaba. Nous sommes maintenant à... Otsuka. Quand je vous dis qu'on va tout faire en une journée, on va tout faire en une journée, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Otsuka, c'est là où on avait logé en décembre 2016. Non, c'est pas faux. Pas du tout, c'est en 2018. Ok, c'est là où on avait logé en mai 2018. En fait, on était venu là parce que du coup, les hébergements étaient bien moins chers, par exemple, qu'à Ikebukuro. La gare était plus petite et en fait, c'était qu'à une station. Donc, on était venu là. Et c'était très sympa, au fait. Hein. Très, très sympa. Regardez, ça reste quand même très animé. Hein. C'est joli les éclairages. Mais je sais plus par où on se... Ah oui, nous l'hôtel c'était par là. Ouais, là où on montait. Et il était juste au bout de la rue en fait. Donc très très bien placé. Hein, c'est joli les éclairages pour Noël. Ouais. Très beau. Enfin, très beau, là c'est des loupiottes mais c'est agréable. Nous sommes maintenant à la gare de Takadanobaba. Oui, une nouvelle gare. Mais je ne rigole pas, hein, c'est vrai. Hein. Vous voyez ce qu'il nous est fait là? L'avant-dernier jour. Demain, je prends le programme en main. Demain, ça sera mieux. On peut aller en campagne demain? Non. Que je vais juste vous montrer aux abords de la gare. Oh, non, quand même. On peut traverser? Allez, direction le Book Off. Wouhou! Avant de rentrer, on s'est arrêté encore à Kura Sushi. Mathieu voulait remanger des sushis avant de partir et moi ramen. Donc ce soir c'est sushi. Demain soir, vous savez qu'on va faire ramen. Et j'ai déjà le programme de demain en tête, vous allez voir ce qu'on va manger le midi. Rien à voir de japonais, je suis désolée, mais c'est à chaque fois un passage obligatoire. À chaque fois on y va aussi. Rien de japonais, hein. Attention, hein, je vous préviens tout de suite. Regardez. Tac et tac. Écoutez, cette année on a eu trop de chance. La première fois qu'on est venu au Kura Sushi, on a attendu 10 minutes. La deuxième fois, on est rentré direct et là on rentre direct. C'est génial. C'est la première fois que ça nous arrive parce que d'habitude, alors d'habitude on va celui d'Ikebukuro, mais pas près du Sunshine, c'est l'autre. De la gare, en fait. Ouais, près de la gare du côté ouest et on a toujours attendu minimum 45 minutes. Toujours. Vous prenez les petits gobelets, encore une fois. On remonte au cas où certains n'avaient pas vu avant. Vous vous servez le thé, c'est pourquoi je donne pas la sauce. Tac, tac. Tu veux combien de cuillères? Deux. Et c'est parti. Merci. On fait normal? Bah oui, hein. Sorry.
rajouté avant. Non, ouais, t'as raison. Dis-moi, il y en a un que là. Non, non. Ouais. Non. Non, je vais prendre du saumon classique. Un de saumon, ouais. Non, t'aimes bien ça. Ouais. J'aurais compris avec les arêtes, c'est pas une boire qui les touche. C'est ce que j'ai envie de manger ce soir et demain, c'est les. Mais tout est pour toi. Si, c'est lui qui a tout commandé, j'en ai marre. Bah ça va. Allez, on commence déjà à vous montrer. Du coup, Mathieu, il s'est pris un saumon bien gras. Alors, il est cuit, mais c'est froid par contre. Ça c'est quoi? Ça c'est ça de crevettes. Crevettes. Macro. Macro. Saumon chaud avec du cheese, que j'ai pris pareil. Et là, crevettes crues. Et ensuite, c'est notre saumon qui arrive. Et bon appétit. Ah, il est très pâle, hein? Oui, c'est vrai qu'il est pâle. Oh oui. Bah oui, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris du normal. Bah ouais, normal. Ah ouais. Tiens. Bon, voilà. Maintenant, du pork cheese, du thon, des crevettes de cheese, et ça, c'est seafood, donc fruit de mer. Il va goûter. Non, on va goûter, c'est bon. Et j'attends encore mes tempura de crevettes. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Les tempura de crevettes, j'adore ça. Je pourrais manger que ça ici. C'est la vie. Oui. Et voilà, bon appétit. Bon appétit. Et les derniers, du coup, Mathieu s'est repris seafood. Ça a l'air d'être bon parce que... Oui, c'est avec du crabe. C'est très étonnant, toi, que tu aimes ça. Bah, j'aime la seafood. Ouais. Et moi, comme dernier sushi, j'ai pris du thon. Parce que ici, le saumon, il est pas très bien. En gros, ce qu'il arrive vers la fin, donc vers la queue et tout, c'est gras, c'est pas agréable à manger, c'était pas des beaux morceaux. Donc, c'est voilà. Le moins bon pour un sushi d'ailleurs. C'est le moins bon pour un sushi qu'on a fait. C'est vrai, c'est sûr. Parce que moi, même mes tempura de crevettes, enfin, le riz, il était pas du tout bien fait. Les tempura étaient beaucoup plus petites que d'habitude et tout. Donc, le kurasushi de Takada Nobaba. Vraiment, si vous venez au Japon, je pense pas que c'est celui que vous allez faire. Non, bien évidemment, parce que forcément, non. Il est dans une zone. Ouais, où... c'est vrai. Allez, eh bien, écoute, à nos derniers sushis, santé. Santé. Allez, on va regagner un truc qui sert à rien. Bon, en fait, on a déjà eu le petit. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a déjà eu les petites épingles là. Ouais. On a déjà eu un porte-clé, donc maintenant, il nous faudrait le scotch. La première année qu'on était venu, on avait eu le scotch et je l'ai collé sur ma valise. Et encore, hein. Il est encore. Bah d'ailleurs, Isa va devoir bientôt changer de valise. C'est vrai. Tu veux qu'il paye? Bah non, justement, comme c'est Mathieu, j'en ai profité. Allez, mets les assiettes. On fait une par une? Non, je peux, hein. Vas-y, vas-y. Oh. Ça. Tu vois bien le jeu? On perd tout le temps. Oh, vas-y, petit, vas-y. Dépêche-toi. Oh, non. J'aime pas ce jeu. Allez. Là, on a toujours gagné un truc. On est obligé, là. Allez. Mais non. Le papier va craquer. Qu'est-ce que j'avais dit? Non mais attends, on peut pas partir sur un échec là, on a toujours gagné un truc. On va voir cette fois-ci. Hein. Non mais tu vas recommander 5 assiettes hein. Ah je pourrais pas hein. Non mais tant pis, doggy bag. C'est parti.
parti. Mais non. On a gagné. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Petit monsieur a gagné. Allez, vas-y, c'est pour toi. Yep. Et qu'est-ce qu'on a? Biscotte. C'est pas l'ouvrir. C'est vrai. Et non, on a une petite épingle. Oh. C'est pas terrible, non? Bah, hé, tu pourrais les accrocher à ton sac à dos, non? Tu pourrais, potentiellement. Bon, quand vous avez fini, vous faites check-out. Voilà, donc c'est fait. On a déjà mis tous les plats. Donc on en a pour 2238 à 2. C'est parti. Et voilà, et maintenant, vous retournez encore une fois avec le papier que vous avez eu à l'accueil. Vous scannez aux machines et vous payez. 10 minutes après vous avoir quitté du coup au Kura Sushi, on est déjà de retour à Ikebukuro. C'est très rapide parce qu'en fait le Kura Sushi était à 3 mètres de la gare. Oui, et nous après c'est deux arrêts. On a deux arrêts et on est déjà chez nous. Chez nous. Je fais très vite parce que le magasin ferme dans 5 minutes. On est au Sunshine City, on est passé déjà au Disney Store vite fait. Là on est à Toys R Us parce que Mathieu cherchait quelque chose. Regardez sur quoi on tombe. C'est un jeu du coup sur le thème des Pokémon. Et c'est des cachapons, des jeux à pince. Vous attrapez des Pokémon. Non mais j'adore, je veux ça. Je veux ça. Et Mathieu m'a appelé, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je dois... Oh, j'en ai peur. C'est quoi ce jeu de merde? T'as pas eu peur toi? Oh le sale jeu. C'est pour ça que tu m'as appelé. Oui, et tu aussi. Tu donnes un rapide de jeu. Un coup de GoPro. Allez, on y va? On y va. Alors, on est bien rentré à notre chambre. Pour information, en fait, les sushis, les 2200 et quelques yens, ce que ça nous a coûté à deux, ça représente 15 euros. Enfin, 15 euros à deux, on a mangé à notre faim. 15 assiettes, ça fait 30 sushis, donc 15 chacun. Enfin, quand on compare par rapport à chez nous, c'est dingue. C'est dingue. Mais il est vrai que ce Kura Sushi, du coup, à Takadanobaba. Takadanobaba était moins bon, c'est vrai. Mais bon, et pour le prix, il n'y a rien à dire. On est passé à la petite supérette pour se prendre de quoi déjeuner demain matin en chambre. Du coup, Mathieu s'est repris les petits poissons à la custard. Un chocolat. Moi, un café avec un jus d'orange. Et Mathieu, un jus de clémentine. Voilà, et ça, on en a eu pour 900 et quelques yens. Ce qui fait 6 euros. Maintenant, on file à la salle de bain. Il faut qu'on vous montre les boules qu'on a achetées. Elles sont où les boules? Elles sont dans la salle de bain. Elles sont dans la salle de bain. Alors en boule, il y a soit cet ananas que j'ai ramené de Belgique. C'était de la collection Bastitch en fait. Je sais plus si ça avait été acheté à Disney ou à Primark. Plus aucune idée. Et si on a racheté, donc c'est soit cette boule là où il y aura des petits canards. Donc forcément, moi je voudrais le rose. Et Mathieu fait genre que c'est à moi, mais pas du tout. C'est lui qui a mis ça dans le panier. C'est encore une boule de bain où dedans on peut avoir ses figurines. La dernière fois, t'as eu qui toi? Non, c'est toi qui l'as eu et c'était le canard dégueulasse. Lui? Ouais. Ah, mais lui, on le voit absolument partout. Du coup, c'est vrai qu'on voudrait le numéro 1. Celui-là, il a fait flipper Isa tout à l'heure. Oui. Non, franchement, bah en fait, n'importe lequel sauf le 4, on voudrait. C'est ça. Clairement. Ok. Tu prends quelle boule toi ce soir? Bah celle-ci. Bah alors moi je prends ça, les canards. Allez, on fait comme okay, ça. Ok, alors moi je veux la rose. C'est parti. Allez go. Et ça sera un beau petit bain rose. Regarde, t'as vu? Ouais. Je vais laisser là. Comme ça je ferme ma main. Vous allez voir, on dirait. Franchement dans 20 secondes je crois qu'il n'y a plus rien. Eh hey, mais la boule, sérieux, je vous jure. C'est abusé. En plus ça colore rien du tout. Oh elle est mince, je crois que j'ai vu. T'as vu ou pas? Ouais. Faut vraiment que je ferme la main là. En fait moi, il me semble que j'ai vu du bleu, je suis pas sûre. Mais je voudrais vraiment la rose. Et si c'est pas la rose, en tout cas je veux pas la blanche.
C'est moche, non, du blanc. C'est pas une couleur, du blanc. Bah, attendez, je vais aller un peu plus vite. Je regarde même pas là. Je regarde pas la caméra. Voilà, attends, hop, voilà. Toi, t'as peut-être vu du coup. Allez, on découvre. Tintin. Bah voilà, c'était du blanc. Bon, bah voilà, bah, c'est pas rose. Choubi, je veux une autre boule de bain. Tu peux me donner ta Pokémon? Non. Choubi. Oh. Bon, bah on se retrouve après pour le bain de Mathieu, hein, pour découvrir son Pokémon. Allez, c'est parti maintenant pour les Pokémon. Du coup, tout sauf la 4, s'il vous plaît. Moi, ma préférée, ça serait Pika, la numéro 1. Ou Miu Miu, là, la 8. Ou même lui, là, c'est Evoli, la 7. Oui, c'est ça. Ouais. Un, moi, je veux un 7 ou 8 et pas la 4. Et toi? On va aller voir. Bah, pareil. Pareil? Ok. Go, Pokéball, go! Elle aussi, elle va être rapide. Après, vers la fin, tu devrais prendre dans ta main, comme j'ai fait, parce que ça va être très très rapide. Ah ouais? Ouais. T'as vu? Non? Mm-hmm. Ouais, et ferme bien ta main. Ouais. Eh, mais toi, ça colore beaucoup mieux, hein. Pokémon, c'est mieux que les canards. C'était sûr, ça. Allez, Pikachu, Miu Miu, Pikachu, Miu Miu, Pikachu, Miu Miu, Pikachu, Miu Miu. Mais non, parce que toi, tu vas deviner. Parce que tu vas le dire. Lâche pas le truc, hein, parce que si... Je ne sais pas tout ce que j'ai. Bon, bah, sors déjà ta main et après, tu retournes. Retour. Mais c'est pas encore fini, hein. Ah, bah, remets ta main, alors. Je croyais que tu m'as dit qu'elle était finie. Vas-y, sors ta main. Prêt? Vas-y. Mais non! Mais vas-y, mais tu prends des nuls, là! Ah, allez, ciao! Bon, bah, pas de chance avec les boules de bain. Tant pis, c'est fini pour nous. On retentera notre chance si un jour on vient. Ouais, mais bon, quand même, sur 8, avoir deux fois la même. Mais en fait, ce personnage me demande... Pardon, j'ai bu. Je me demande si ils sont pas en train de le mettre absolument partout. Parce que dans les pinces, dans les jeux à pinces, on le voit partout. Quand on fait les book-off, du coup, les peluches qui sont d'occasion que les gens revendent, c'est ça, mais partout, partout. Parce qu'à mon avis, il est pas forcément gagné aux pinces. Et là, deux boules de bain, c'est ça. Non, mais je sais pas c'est quoi ce personnage, parce que moi, je connais pas Pokémon, mais... C'est le nouveau starter haut de la version écarlate violette. D'accord, mais là, tu me parles chinois, là. Voilà. C'est un peu le héros, là, de la nouvelle truc qui est sorti. Tu vois, je suis, tu vois, tout le temps dans les book-off où il y a un dragon un peu écarlate et un dragon violet. Mais c'est dans ça, c'est le nouveau starter, donc c'est le premier Pokémon que tu peux choisir. D'accord, donc c'est un peu le héros. Non, parce que tu peux choisir celui de plante ou celui de feu. Bon, en tout cas, il est chance canard. On le voit partout. Bref, écoutez, on espère que cette petite journée vous aura plu. Hein. Surtout à moi, j'étais ravie avec tous ces book-off. Demain, comme je vous ai dit, je reprends les choses en main. J'ai déjà le circuit. Ça va être... Bah, très bien, en fait, je sais pas. On avait déjà fait, là, ce qu'on va faire demain, on l'avait déjà montré en vidéo, mais je suis pas sûre que vous regardiez avant parce qu'on parlait pas. Donc, on va aller là-bas, ça peut être sympa. Oui. Intéressant, ça... On peut bien s'amuser, on va bien manger. Pas du tout japonais, encore une fois. Non, pas du tout, mais c'est quelque chose qui est très bon. Si, ouais. Si c'est comme avant. J'ai faim. Je vous jure, j'y pense là, je pourrais manger. Je te jure. J'en ai tellement envie maintenant. Ah ben, faudra attendre demain. Oh là là, la France me perdra. Et demain, je lui dirai, j'ai pas faim, Xavier, on fait pas. Non, jamais de la vie. Bref, parce que demain soir, comme si ça suffisait pas aujourd'hui, à 19h30, il a un rendez-vous à Shinjuku pour acheter une console à un japonais. Ouais. Voilà, on a que ça à faire. Je me jure. J'établis des contacts au Japon. Non, je rigole. Non, tu dépenses ton argent au Japon sans aucun contact. J'ai su contacter un japonais qui avait mis une petite annonce pour une console que je cherchais absolument partout. Et d'ailleurs... C'est un menteur. Il me dit qu'il la cherche absolument partout. Oh. Il m'en a parlé hier. Et donc aujourd'hui, mais qu'à partir d'aujourd'hui, tu finis en tête partout. De la chercher. Non mais, jusqu'à avant-hier, je pense que tu ne connaissais pas l'existence de cette console. Non. Voilà, donc en fait, c'est n'importe quoi. Il s'est planté, mon ami, elle est sortie en 2019. Ah, d'accord. Enfin voilà, du coup, on espère que cette journée vous aura plu et on vous dit à demain pour de meilleures aventures, un peu plus intéressantes. D'autres aventures. Ouais, bon, il n'y aura rien de culturel, hein, mais ça sera chouette. On va se promener, en plus il fait beau, on en profite, on sera à l'air libre, on ne va pas aller s'enfermer dans les book-off. Allez. Un book-off à l'air libre. Ouais, allez, à demain. À demain, bye. Attendez, regardez, j'éteins. Là. Voilà, et je vais vous montrer quand même la vue, parce que c'est l'avant-dernière fois qu'on peut voir cette vue. Hop, attendez, ah merci, il y a, je coupe ici, voilà.
À demain!